s'appelle? Kevin. Ouais, bah écoute, mon cher Kevin, j'ai le plaisir de te dire que tu fais un sacré travail de cochon. Bah d'une, t'apprendras qu'on n'accroche pas un BV12 120 watts avec un câble de 2,5. Je vais mettre 2,5, moi, ça me ferait mal. Et de deux, je vois que tu m'as ficelé tout sec, un adaptateur 5 pouces 3 quarts. Si ça chauffe un peu, ça nous claque entre les doigts. Oh, bah tu me prends vraiment pour un amateur, hein. Je te prends surtout pour un mec qui connaît pas son boulot. Ouais, dis donc. C'est bien gentil, hein. Va pas falloir me chatouiller trop longtemps, hein. Mais c'est ni fait ni à faire. Oh, en plus, t'as mis un 6,62 à côté. Il manquait plus que ça. Oh, du 6,62, moi. J'ai connu du 6,62. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est pas bien que j'aime pas bien cette façon de... Oh, purée de boîte, ah bon, en plus d'être incompétent, tu joues comme un chartier. Ah, oh, c'est pas ça, mais... Mais quoi? Mais qu'est-ce que... Ah, bah, je vois que je suis pas le seul à qui ça fait un drôle d'effet, hein. C'est toi qui les as fait entrer? Est-ce que tu trouves que j'ai une tête à faire l'ouvreuse? Non, mais... Qu'est-ce que c'est que cette serpenteur? Mais on ne fait pas ouvrir à la nuit! Tu remarqueras que je m'occupe pas non plus de la billetterie. Oui, bon, bah ça va, vas-y. Tu dis quelle heure? Pas l'horloge parlante. Et du coup, on fait quoi? Dis-ce que j'en sais, moi. Mais je sais pas, t'as bien une petite idée quand même. Bah, pour l'adaptateur, il me reste... Mais non, mais je te parle pas de ça. Je te parle d'eux, là. On fait quoi? Mesdames et messieurs, on s'excuse, on n'est pas prêts. Alors, si vous voulez bien sortir quelques minutes, on vous rappelle dès qu'on est terminé. En vous remerciant. Mais tu me prends bien, toi? Bah quoi encore? Le spectacle va démarrer, toi tu demandes au public de se barrer, mais t'es malade! Bon, je suis là, récupérer l'adaptateur et on se colle en deux temps, trois mouvements, c'est réglé. Mais non, mais... Et eux? On fait quoi? Vous voulez pas sortir? Bah restez là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On vous explique qu'on n'est pas prêt. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Bah rien. Vous restez assis là comme des... Mais tu vas pas te mettre à les sentir planter quand même? Un peu de respect. Ouais, tu sais quoi, c'est pas grave. On va faire ça pendant l'entracte, comme ça. L'entracte? Mais... Depuis quand il y a un entracte? Ah non! C'est pas une fantaisie, docteur. C'est le syndicat du spectacle qui a imposé ça. Maintenant, ils mettent des entractes à tous les spectacles. Ah, et ça dure combien de temps? Alors, en principe, t'as droit à 5 minutes d'entracte par comédien présent sur scène. Ouais. Ah, ah ben ils sont 12 sur scène, alors... 60, là? 60? Ouais, 60, ouais. 60. Ouais. 60. Mais ça fait une heure, ça. Ah, ouais. Bah, les spectateurs! Eh ben... Mais qu'est-ce qu'ils vont faire pendant une heure? Ah, bah, c'est sûr que s'ils ont rien prévu pour s'occuper, ils vont complètement s'ennuyer, hein. Et les gens continuent à venir au théâtre dans ces conditions? Bah, tu vois bien, ils sont là, ils bougent pas. Chut, attends! Ah, j'ai entendu, oui! Où ça? Ah, ça doit être les comédiens, ils arrivent! Ah non, mais ils n'ont pas le droit, hein! Syndicalement, on n'a pas terminé! Bah, si tu veux mon avis, on ferait mieux de se tirer! Et pour les adaptateurs? Oh! Ça a l'air de tenir! Ouais, t'as raison! On va pas se mettre la rate au courbouillon, hein, parce que là, enfin, tu m'as compris! Mais voilà! Mais qu'est-ce que j'avais dit? Avec du 5 pouces 3 quarts, ça tiendra jamais! Non, c'est pas ça! Je crois que c'est le spectacle qui commence, en fait! Thank you.
c'est la liste Saint-Malo, c'est bien plus mieux, qui remporte à la surprise générale l'élection municipale. Ils n'ont maintenant qu'un seul objectif, sauver Saint-Malo. Et ben bon courage. Comment ça? Mais on est complètement dépassé, Aspie, depuis la page, c'est une catastrophe! Comment ça? Mais comment ça va
femme divorce. Ouais, c'est surtout que nos commerçants, hein, capitalistes bourgeois, là, et sans scrupules, pratiquent des prix qui émanent de camarades travailleurs de Saint-Malo. Dans quel domaine êtes-vous, ce bouquin, allez noter ce vrai triste déclin. Moi, je peux dans le crâne, là. Ah, ça va pas commencer, hein. Moi, j'ai l'embarque à faire, hein. Pas mal de temps. En même temps, le craquelin n'est pas un produit très séduisant, reconnaissons-le. Bon, hé, c'est pas de votre goût, c'est tout. La chrame, c'est du goût de personne, hein. Bon, hé, s'il y a des baisses hein, dans le tourisme, ce qui est un autre facteur à l'origine du phénomène, vous prenez pas. S'il vous plaît, un petit peu de calme, tâchons de réfléchir. Ben, si la ville attire moins qu'avant, ben c'est qu'elle est moins attirante qu'avant. Ah oui, c'est... Ah oui, il faut trouver un produit d'affaires. Eh oui, très bien, quelque chose qui rappelle que Saint-Malo a un patrimoine, l'histoire... Ah ouais, un truc qui fait dire aux gens, ça c'est vraiment Saint-Malo. Et surtout qu'on ne trouve qu'à Saint-Malo. Et même, on serait prêt à faire des kilomètres pour venir à Saint-Malo et en avoir. Ouais, tout ça c'est très bien, mais vous pensez à quoi? Oh, une spécialité artisanale. Un tannerie de peau d'ours. Comment dire Pour tanner de la peau d'ours... Faut des ours. On peut pas dire que l'arrière-pays regorge de plantigrades. Bah, excusez-moi, chercher des idées pour sortir du pétrin. Oh, le pétrin, excellente idée, si on veut trouver une idée autour du pain de le boulangerie. Le craquelin, si on peut éviter. Vous avez une idée? Alors oui, bon, ça reprendrait au concept du croque-monsieur et on appellerait ça... Le croque-malouin. Donc vous êtes sérieux là Excellent, un sandwich, hein. Donc le pain serait constitué de craquelin, pas mal. Oui, bon, admettons, mais qu'est-ce que l'on va pouvoir mettre entre les deux craquelins? Ben, un produit local, j'imagine. Et que nous aurions en abondance. Oui, alors qu'est-ce qu'on a à Saint-Malo qui vient nulle part ailleurs? La mer! Le sable! Les rochers! Ouais, puis on a les algues et les goélands, on peut continuer longtemps comme ça. Hein. Ça se mange, le goéland? Pas avec un tartare d'algues, peut-être. Oh, je crois qu'on tient quelque chose. Je crois pas, non. J'espère pas. Oh, ça sera le sandwich emblématique du peuple malouin. Quoi? Deux craquelins, des algues et du goéland. C'est tout ce que vous avez trouvé. Bah, j'aurais bien encore un truc à dire. Bon, bah, allez-y pour une fois et puis arrêtez de faire vos effets d'annonce, là. Ouais, je trouve bien négatif, si idée, comment dire. Totalement stupide. Hein. Bon, je disais que vous étiez négatif. Non, mais vous croyez? Non, mais soyons sérieux deux secondes, là. Vous croyez vraiment que le croque malouin va être une réussite commerciale qui va faire revenir des touristes dans notre belle ville de Saint-Malo? Oh, oui, c'est un projet qui s'étudie. Parfaitement, hein. Et d'ailleurs, je peux fournir des craquelins pour faire des tests. Faut simplement qu'on vienne en prix. C'est une idiotie. Moi, je vote que c'est complètement crétin. Bah, c'est complètement stupide. On veut faire venir les touristes à Saint-Malo. Pas les rendre malades. Ou alors, il faut prévoir une offre couplée avec un séjour en thalassothérapie. Alors, qui vote pour, qui vote contre? Qui est pour? Qui est contre? Alors, deux pour et deux contre, nous voilà bien avancés. Bon, écoutez ce que je vous propose. Si on faisait venir un cabinet extérieur pour vous aider à y voir plus clair et définir ensemble une stratégie autour du craquelin. Pas spécifiquement, mais je promets qu'on pourrait réfléchir. Alors, pour cette proposition, qui vote pour? Qui vote contre? Qui Vous votez pas, vous? Qui, moi? Ah oui, vous êtes la seule à n'avoir rien dit. Oh, excusez-moi, erreur d'inattention. Je me demandais quel goût ça pouvait bien avoir, ça, le goéland. Eh bien, dites-moi, ce n'est pas une sinécure pour arriver dans ce trou paumé. Faites attention, on pourrait nous entendre. Ah, mais je sais ce que je dis, hein. J'en ai plein les pattes. Alors voilà ce qu'on va faire. On baratine l'autochtone et on lui fait miroir des monstres énervés pour qu'il crache au bassinet et on se tire aussi vite que possible. Fais ou quoi? Déjà bien content qu'on se déplace pour venir les voir dans leur patelin à la noix. Quand même, c'est une ville chargée d'histoire. Ouais, c'est ça. Tellement chargée que c'en est trop. Hein. Et vous savez pourquoi nous sommes ici? Pour donner nos conseils à viser une bande incapable, comme d'habitude. Les conseils?
Sur quoi, maintenant? Vous n'avez pas les mémos avant de venir? Le mémo? Quel mémo? Et c'est comme ça que vous préparez les rendez-vous avec vos clients? Faut-il que je m'occupe sérieusement de votre gars? Non, mais si, mais oui, le mémo à propos du truc sur la réunion tout à l'heure. Oui, je vais très bien. Ah! Faites-moi un résumé. Alors quoi, je vous écoute! Oui! Alors voilà, c'est en effet une question d'image. Parce que le blason de la ville, eh bien, comment dire, c'est au niveau des couleurs. Des couleurs? Oui. Apparemment, je ne veux pas trop m'avancer. Hein. Il semblerait hein, que les couleurs du blason de la ville ne soient pas assez. Ou plutôt un peu trop. On va alors continuer. Le blason, qu'est-ce qu'il y a? Ben là qu'il est, comment dire. Ah, vous voici. Nous cherchions personne, vous avez pas vu que vous étiez déjà arrivé. Alors, je vous en prie, hein. Installez-vous. Ah oui, c'est comme chez vous, hein. Bah, vous voulez peut-être boire quelque chose ou grignoter. Eh, j'ai des craquelins si vous voulez. Non, des quoi? Des craquelins. C'est des petits pains soufflés qui craquent sous la dent. C'est franchement pas terrible. C'est ce qu'on appelle un réchaudé. C'est un procédé de cuisson qui date du Moyen-Âge, qui consiste à tremper la pâte dans l'eau bouillante avant de la mettre au four. C'est un savoir-faire rare et traditionnel. Hein. Ce sont des produits labellisés, ce n'est vraiment pas n'importe quoi. On en fabrique ici depuis 1923. Et depuis cette date, on n'a jamais réussi à en améliorer le coup. Voilà, nos amis ne seront pas venus d'aussi loin pour ça. Alors avant de commencer, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à Saint-Malo et vous remercier d'être venu aussi rapidement à notre première séance de travail. Nous sommes absolument ravis d'être là. Alors, comme je l'ai dit souvent, on gagne toujours à se déplacer et rencontrer ses clients. Futurs clients, je tiens aussi à le préciser. Bien entendu. Rien n'est acquis, nous en sommes parfaitement conscients. Justement, puisque tout le monde est là, on peut peut-être rentrer dans le vif du sujet. Ah ben absolument, nous vous écoutons. C'est que... Pour te dire... Bon, c'est que c'est vous qui feriez la présentation, hein. Une présentation? Nous? Ah, mais c'est que... Dites, vous avez quelque chose, vous? On a le mémo? Ah, ok, j'ai lu, hein. Bon, j'ai presque terminé, bon. Disons que j'ai commencé. Bon, et c'est tout ce qu'on a? Bah, on peut leur faire un résumé. Bonne idée! Vous vous y collez. Qui, moi? Ben oui, qui d'autre? On peut leur parler du truc là sur le blason et après on se tire. Excusez-moi, il y a un petit souci. Absolument pas. Bon, allons-y. Eh bien, allons-y, hein. Si vous voulez bien commencer. Oui. Alors voilà. Voilà. On s'est dit que pour l'image de la ville de Saint-Malo, on a pensé que peut-être il y aurait un truc à faire avec le blason. Oui, mais encore. Oui, alors voilà, nous, on imaginait que le blason, pour les couleurs, ben, ça serait peut-être pas forcément une mauvaise chose de les changer. Qu'est-ce qu'elles sont les couleurs actuelles? Elles sont un peu... ternes? Bon, vous connaissez les couleurs du blason de la ville de Saint-Malo? Non, je dirais un peu ternes, c'est une façon pareille. Bah, une hermine blanche à queue noire, surmontant une herse dorée sur fond rouge, je trouvais que ça fait un peu terne. Cela fait un peu... daté, si vous passez l'expression. Ah, bah, vous êtes convaincu que la ville de Saint-Malo date du 12e siècle. C'est devenu l'un des plus grands ports de France, où sont nés de nombreux navigateurs. Tiens, Jacques Cartier, par exemple. Le bijoutier. Non, l'explorateur, non daté par François Ier, qui a découvert le Canada avec le Saint-Laurent. Le parfumeur. Non, le fleuve Saint-Laurent au Québec. Ah, j'ai l'impression d'être pas bien en phase, hein. Pardonnez-moi, je me permets d'intervenir dans le cours de cette présentation qui, je le vois, suscite déjà des interrogations et des échanges. Ce qui, en tant que famille, est une excellente chose. Hein. Cela montre à quel point l'affaire, non seulement n'est pas aussi simple qu'elle en a l'air, mais également et surtout permet aux représentants de la ville que vous êtes de souligner à quel point vous êtes impliqués. Et je peux vous
et pas qu'un peu, que les clients qui ne savent pas ce qu'ils veulent, qui hésitent, ce qui n'est fort heureusement pas vrai notre cas ici, ce dont nous ne pouvons que nous féliciter, ce n'est pas ce qui manque. Et sachez pour ma part que je me félicite de rencontrer des personnes aussi passionnées que vous pour l'histoire de votre vie. Cette histoire de blason, qu'avez-vous en tête exactement? Oui. Le blason. Le blason, oui. Bah, si nous devions le traduire de manière contemporaine, le blason, c'est votre logo, hein, c'est ça. Et aujourd'hui, un logo, pour qu'il puisse marquer les esprits, il faut un visuel qui retienne l'attention. Alors, un rat musqué qui gambade sur une grille en fer forgé, c'est pas très moderne. Oh, il n'y a pas que ça. Il y a aussi deux chiens autour de l'écusson avec l'hermine. Il y a aussi des chiens en plus de l'hermine. C'est une vraie ménagerie, ma parole. Vous savez quoi, que la ville de Saint-Malo, au XVIIIe siècle, avait pour habitude de lâcher des chiens sur la grève, entourant les remparts, pour dissuader les intrus de venir piller les bateaux accostés au port. C'était des chiens gays. Et la devise de l'époque, c'était Cave Canem. Ce qui veut dire... C'est une tradition. Cave Canem, c'est du latin, ça veut dire « attention, chien ». Ah oui, c'est quand même pas très moderne tout ça, hein. Surtout pour les chiens que vous dites, là... Les chiens du gay. Ah non, moi, l'orientation sexuelle de l'emmette, ça me l'a pas. Ça peut être des chiens de gay ou des terreaux, moi, personnellement, je vois pas la différence, hein. L'important, c'est que l'animal soit bien et soit bien traité avec son nom. Oui, je ne suis pas vraiment bien sûr de savoir où vous voulez en venir. Ah. Mais vous n'avez pas un peu fini de débiter des âneries comme ça, là? Fermez-la, vous vous faites passer pour deux imbéciles. Bah, je crois que vous devriez reprendre cette belle tradition, là, de lâcher les chiens la nuit dans les environs de la ville. Bah, c'est un élément, hein, ça fait parler, hein, ça, vraiment, ça fait parler, hein. Oui, bon, vous apprendrez que les chiens du gay, ils ont eu la bonne idée d'aller boulotter un officier de la marine marchande, alors la décision de les empoisonner a été prise. Et la SPA n'a pas réagi. Oh, c'était en 1770. Ah, c'est pas une raison. Hein. Moi, la maladie d'enseignant, tu ne supportes pas. Hein. Sérieusement, fermez-la ou je vous balance du haut des remparts. Je comprends que ce n'est pas exactement ce genre de souvenir que la ville de Saint-Malo se travivait. Et d'ailleurs, vous n'hésitez pas, nous reviendrons vers vous avec d'autres propositions. Hein. Exactement. En tout cas, ce rendez-vous a été extrêmement fructueux. Nous repartons avec de nombreux sujets d'études et des perspectives toutes plus enthousiasmantes les unes que les autres. Les choses s'éclaircissent et franchement, je pense que notre agence peut apporter beaucoup à la vie de Saint-Malo. Oui, c'est ça. Saint-Malo. Je crois que nous avons déjà plusieurs pistes à explorer pour redonner à la ville le regard d'intérêt qu'elle mérite. Nous en avons terminé, si je comprends bien. Oui, si on peut me recontacter, comment s'appelle votre agence? Agence Dubié et 3, associé par Collectivity Partnership Management, conseil en management, voici ma carte. Oh, Dubié et 3, en référence au corsaire? Ah, pas du tout, c'est en référence aux demandes fondataires Marcel Dubié et Jeanne instinctive. C'est-à-dire? Eh bien, c'est une méthode qui consiste à élaborer des conseils que nous prodiguons sur une base purement instinctive. Pas de recherche, pas d'analyse, pas de réflexion et surtout aucun travail préparatoire. Nous ne travaillons qu'à partir de courts résumés, des notes plutôt vagues de service et si possible à la dernière minute. Rien de trop recherché pour ne pas nuire à l'instinct et à l'inspiration. D'accord. Bah, merci bien. Merci. Au revoir. Je trouve que ça s'est plutôt bien passé maintenant. Bon, bah, vous avez tous pris connaissance du compte-rendu de la réunion qui s'est tenue avec les deux représentants du cabinet de conseil du clan éprouvé. C'est Duguay et Trouin. Comment? Le nom du cabinet de conseil, c'est Duguay et Trouin, les inventeurs d'une méthode totalement aboutie qui consiste à ne rien connaître de ces dossiers et à tenir le crachoir en des heures en faisant n'importe quoi. Résultat des courses, nous voilà bien avancés maintenant. D'autant qu'on n'a pas pu en placer une, ils ont commencé à nous dire qu'il fallait changer le blason de la ville. Et on va mettre des chats sur les remparts à la tombée de la nuit. Bon, ben moi, camarade, je voulais dire qu'on n'a pas besoin d'aller au cabinet pour trouver des idées pour relancer le tourisme et faire revenir le commerce dans notre bonne vieille ville de Saint-Malo. Nous avons consulté un cabinet de conseil. Quoi donc? Bon, ouais, personne s'est rendu là dans un lieu des ans censé vous mentionner, hein. Qu'est-ce qu'on raconte, celle-là? De la façon dont vous parlez là, on a l'impression que tout le monde serait allé aux toilettes. On a été au cabinet pour du conseil. Bon,
avant de passer le réveillon, hein? Est-ce que quelqu'un a une idée? Bon, ben, moi, camarade, avec les gars de l'intersection syndicale, on s'était dit que ce serait bien de prévoir quelque chose de festif, hein, pour que les gens viennent dans notre ville. Ah bah, jusque-là, rien de révolutionnaire, c'est tout ce que vous allez trouver. Hein. Bon, et si vous ne laissez pas parler, camarade, c'est bien dommage. Hein. Parce que l'idée qu'on a eue avec les gars de la sous-section intersyndicale du comité du parti, eh ben, elle est rudement bien. Mais c'était avec les gars de la section syndicale ou de la sous-section intersyndicale du comité? Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Alors, cette idée légumineuse, qu'est-ce que c'est? On ne dit pas légumineuse, hein? On dit lumineuse. Alors vous, ça va? Je vous ai rien demandé. Les légumineuses désignent un type de culture récoltée dans le seul but d'obtenir des grains secs. Les légumineuses, les pois chiches, les lentilles, les haricots secs, c'est les légumineuses les plus connues. Quel est le rapport avec Saint-Malo et le retour des touristes? Ah ben, j'essaie simplement de vous expliquer ce que veut dire légumineuse. Hein. Maintenant, si vous voulez rester ignare, c'est pas probable. Bon, on va voir qu'on enchaîne. Hein. Est-ce que quelqu'un a une idée? Bon, ben, merci, camarade, de me redonner la parole. Alors, avec Francis, on était au bistrot. Vous savez, celui qui est juste en bas en descendant. Ne me dis pas qu'on est en train d'écouter la proposition du pocheton du coin. Je ne permets pas de parler comme ça, Francis, hein. Ça le tient bien, et puis qu'il y a des principes. Il commence toujours par un panaché tant qu'il n'est pas 10 heures. Alors, finissons-en. Alors, qu'est-ce qui a germé dans vos esprits éclairés? Bon, avec Francis, on s'est dit ce qu'il y a. Ouais. Saint-Malo a connu de grands navigateurs, exact. Ouais. Bon, ben, parmi ces grands navigateurs, on connaît tous Jacques Cartier, exact. Ouais. Bon, et ben, pour rendre hommage à ces grandes découvertes, on s'était dit que ça serait bien de mettre sur pied le Festival Malouin de la Patate. De la patate. Alors là, faut m'expliquer. Ben, Jacques Cartier, il a bien découvert le Canada. Ouais. Il a bien ramené des trucs du Canada. Oui, c'est pour ça qu'on lui a demandé d'aller sillonner les mers. Bon, et ben, en venant de ses expéditions, il avait des patates plein les cales. Et ben, moi, je trouve que ça serait une sacrée vache de bonne idée d'organiser le Festival Malouin de la Patate en son honneur. On pourrait faire des baraques à frites en haut des remparts. Ça ferait un malheur. Eh bien, c'est Francis qui m'a dit que dans le Nord, ça marchait du tonnerre. Je crois qu'on a affaire à une petite confusion, là. La pomme de terre n'a pas été découverte par Jacques Cartier. À la limite, ce qu'il a ramené, c'est un peu de tabac. Alors, des stands de clopes sur les remparts, vu le prix du paquet en ce moment, je doute fort que ça ramène les touristes. Vous êtes sûr qu'on a découvert de la patate? Parce que, mais moi, c'est un Français qu'on a fait du hachis. Oh, mais vous confondez avec Parmentier, hein. Parmentier? Ben oui. Il faut que j'en parle à Francis. Parmentier? Mais j'aime beaucoup cette transition de la pomme de terre à la prairie. Que c'est beau, je dirais même plutôt que c'est bon, surtout si on la racite. Vous êtes... Allez, comique, créatrice de blagues et du son drôle, spécial local pour vous servir. On vous a pas invité à venir, vous. Mais ce petit côté pense au rire, j'aime beaucoup. Je pense pas à la... Attention pas. Vous savez où se trouvent les plus belles femmes de la région? À la pointe du décolleté. Attention pas! Vous savez ce que ça veut dire, BZH? Bretagne solide! Ouais, moi je suis bien, vous pouvez continuer! Attention pas! Vous savez à quoi on reconnaît un parisien? Non? C'est le seul qui garde sa voiture sur la canne du Nord à Marais! Attention pas! Vous savez ce que c'est la capitale de la boule? Non? Bouchon! Moule de bouchon! Attention pas! Oui, bon, ouais, ce gros là, on vous a attendu là, merci bien! Hein. Après cet intermède saisissant, je suis au regret de vous annoncer que nous n'avons toujours pas avancé. Nous sommes toujours dans la purée. Pour revenir au... Est-ce que je peux dire quelque chose? Je pense qu'il va falloir donner une orientation santé et bien-être aux produits locaux et aux établissements de la ville afin d'accroître la fréquentation de Saint-Malo. Ça c'est très bien, mais il faut que nous réussissions à nous démarquer avec de vraies spécialités. Ben, moi, je connais les gars de la coopérative qui pourraient nous aider. Si c'est encore pour nous parler de votre copain Francis, là, on va faire la passe, hein. Ah non, mais l'autre, tout de suite. Allez, ça va, approchez. Approchez, connaissez, approchez. Allez, 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 allez. Allez. Bien d'accord que vos amis ont vraiment des choses à nous apporter, hein. Mais oui, je vous dis, en tout cas, ils ne courent ni la terre, ni le ciel. Parce que je ne voudrais pas qu'on se retrouve en plein scandale sanitaire, parce qu'on a voulu accroître la fréquentation de ce monde. De l'origine.
original, avec rien que des produits de qualité, je vous le garantis. Ouais, c'est bien ça. Un label. C'est bien ça, un label. Oui, mais attention au prix, parce que dès qu'on colle sur une étiquette de pot de confiture qu'il y a du sucre en moi, le prix, il augmente. Bah moi, avec la personnalité de notre vision, je vous préviens tout de suite. Attends, qu'est-ce qu'ils font là, vos amis, là? Ouais, ils devraient vous entendre. On va peut-être leur passer un petit coup de fil, là. M'étonnerait qu'ils vous répondent. Ils sont pas branchés une nouvelle technologie. Oh, pas spécialement. Ils ont juste pour le téléphone. Pas un numéro de portable. Ah non. Mais comment font-ils pour se faire connaître alors? Bah, à l'ancienne. Ils vont sur les marchés et c'est le bouche à oreille qui fait le reste. Mais ça, c'est super. C'est tout à fait en lien avec notre projet. On verra bien quand ils seront là, hein, si d'ailleurs nous faire l'honneur de leur présence. Et vous, vous avez eu l'occasion de goûter leurs produits? Bah, bien sûr, pardi. Mais je peux vous dire, je me régale à chaque fois. Alors ça, c'est prometteur. Bien le bonjour, messieurs dames. Salut la compagnie. Elles sont belles. Mais ça va, mais on se dépêche. Il y en aura pour tout le monde. 3 pour le prix de 2. J'ai de la laitue, de la frisée, de la batavia, mais aussi de la scarole, de la trémise et de la vache nantaise. De la vache nantaise pour relancer Saint-Malo. Ça commence plutôt mal. Merci finalement d'être venu à notre rendez-vous. Il n'y a pas de mal, ça me fait plaisir. Alors, qu'est-ce que vous en dites? À propos de quoi? Pour la salade. C'était très bien, merci. Non, mais qu'est-ce que vous prenez? Merci d'être venu, je crois qu'on vous a pas bien expliqué notre occupation. Ben, vous avez besoin de nous pour sauver Saint-Malo, c'est bien ça? Et c'est un petit peu exagéré, nous voulons juste rendre la ville un peu plus attractive aux touristes. Alors proposons bon sang des spécialités locales inédites et totalement renouvelées. Voilà, du naturel, sans pesticides et sans colorants. Rien que des produits du terroir fait ici, in Saint-Malo. Mais je crois qu'on peut dire que c'est exactement notre rayon, ça, non? On peut dans le produit local de qualité, de très haute qualité même. Hein. Ouais, en plus, on ignore dans les recettes originales. Alors, je vous avais bien dit qu'ils étaient formidables. Et alors, qu'est-ce que vous avez à nous proposer, hein? Ah ben, si vous permettez, je commence, hein. Vous connaissez tous les gigots du Pré-Salé? Oui. Ces agneaux qui pèsent sur les pâturages du Mont-Saint-Michel et qui broutent une herbe iodée qui donne un goût si particulier à la viande, hein? Oh, moi j'adore ça! Oh, moi aussi, hein! Eh bien, sur le même principe, j'ai eu l'idée de planter, il y a quelque temps de ça, de l'herbe à chat sur les côtes du littoral malouin! J'ai dû rater quelque chose, moi! Mais j'élève des chocs et je leur fais manger l'herbe en question! Je crains le pire! Eh bien, croyez-le ou non, le résultat est surprenant, hein? Le résultat de quoi? Et pour le civet! Le civet de... Pas le civet de chat, pardi! Faudra que je sois honnête avec vous, hein. Je sais pas si ça vient du goût de la viande de chat elle-même ou de l'herbe que je leur fais manger. Enfin, les chats mangent de l'herbe pour se purger, hein, pas pour s'alimenter. Hein. Eh bien, c'est pour ça que ça se discute! Ah, bah, le mieux, ce serait de faire une dégustation, hein! Non, si, ça ira! Oh, bah non, c'est dommage, C'est l'occasion de goûter! Je crois pas que vendre de la viande de chat soit susceptible de nous ramener une clientèle nouvelle, hein! Faut compter qu'on risque de se retrouver avec les associations de protection des animaux sur le dos! Bah, sans indiscrétion, vous pensez à quoi? Ah, bah, à créer une appellation de chat malouin du Pré-Salé! Bon, je suis sûr qu'on va trouver autre chose! Ouais, j'ai ce qu'il faut! Nous vous écoutons. On est tous bien là-bas pour dire que la Bretagne irait plus ses poissons aussi, n'est-ce pas? Oh, bah ça c'est sûr, hein! Celui-ci, le broyeur! Et vous faites du cidre avec autre chose que des pommes? Ah, non! Du vin! En Bretagne? Ouais, alors c'est ce que vous allez me dire! Le sol est trop acide! Le niveau de vue, plus vous maîtriez pas bon, mais croyez-le ou non, j'ai quand même réussi à faire une récolte! Oh, du vin breton! Bon, le truc, c'est qu'il faut le récolter très tôt dans la saison. Sinon, raisin pourri sur pied, on peut plus rien en fait. Je me disais bien qu'il y avait un truc qui allait pas être simple, hein. Mais vous êtes quand même arrivé à produire quelque chose. Ah, mais oui, pardi! Vous avez emmené une petite bouteille de ma dernière production. Un vin breton, vendange précoce. Comment vous l'avez appelé, là? Vendange précoce! Par opposition aux vendanges tardives qui sont avec du raisin du prémur. Bon, moi j'ai hâte de goûter, hein! C'est en mode. Alors, qu'en dites-vous? Rien comme il y a quelque chose, non? Attendez, je sens l'ammoniaque, c'est normal! Mais non! Avec du raisin du traîné, sinon, mal que ce soit pas l'astringent!
excusez-moi, c'est chaud là, une ville. Ah, c'est bizarre, d'habitude les gens viennent bien. Elles sont plantées où, vos villes? Ha! À Dinard! Oh! Cherchez pas, ça vient de là! Permettez-moi de vous proposer. Permettez-moi de vous proposer quelque chose, pas tous vous mettre d'accord. Eh ben, je me régale d'avance. J'espère que c'est comestible, cette fois-ci. Le caramel au beurre salé, vous connaissez? Certainement ouais. Qu'on connaît, ça se vend dans toute la Bretagne. Vous parlez d'une idée innovante. Et bien moi, je vous propose un caramel sans beurre salé. Oui, et alors? Mais qui est salé quand même? Bien plus léger, bien plus digeste, on peut en consommer autant qu'on veut. Ah, bien, et c'est quoi votre recette? Je ne peux pas trop entrer dans les détails, mais j'utilise des fruits de mer. Ah, ça, c'est original. J'ai fait quelques essais. Très très prometteur avec des moules de bouchot et puis là dernièrement j'en ai fait avec des huîtres. Je comprends pas. Bon, c'est tout bête, je vous dis tout. En fait, je fais macérer les moules ou les huîtres dans le caramel. C'est ça qui me donne un petit goût salé. Et vous êtes sûre de votre goût? Moi? Mais certaine! D'ailleurs, je vous ai ramené quelques échantillons, vous verrez, on voit les moules tremper dans le caramel, c'est marrant. Non merci, ça ira. Oh bah j'aimerais bien voir ça. Eh ben pas moi. Au début, je vous avoue que j'ai tâtonné un peu parce que je plongeais les mollusques dans la solution caramélisée, mais avec leurs coquilles. Vous voyez, ça donnait un peu de croquant, mais il manquait le goût salé des fruits de mer. Ah, c'est dommage. Nous avons fait le tour, si je comprends bien. Oui, on va pas vous retenir plus longtemps. Hein? Ah ouais, moi je veux bien un peu de votre truc au caramel. Vous allez pas le regretter, vous. Hé, et truc de bien avec le vin breton. C'est qu'on peut plus l'utiliser pour décaper la tête des bateaux. Moi j'ai essayé, je vous jure que ça marche. Et aujourd'hui, deux en un comme ça sur le marché, c'est pas tous les jours qu'on le trouve, c'est moi qui vous le dis. Oui, faudra pas venir vous plaindre, hein. Quand on aura gagné des prix dans toutes les foires agricoles de France, hein. Ah mais on ne s'en plaindra pas, je vous le promets. Notre volonté de relancer le commerce à Saint-Malo se heurte à plus de difficultés que je ne pensais. Oh, c'est normal aussi. Vous voulez rien essayer? Sur le sérieux de ce monde-là, du vin fabriqué avec des raisins, du litre au vert, du chat et du caramel aux huîtres. Non, franchement, il y a pas ouvrir un hôpital de campagne à Strasbourg. Je pense qu'il faut revoir nos projets différents. Dans quel sens? Ah, avec les remparts, nous devons sans doute donner une image d'une ville un peu enclavée. Alors je me suis dit qu'il serait sans doute pertinent de revoir le réaménagement de notre urbanisation. Quelle est l'idée derrière tout ça? J'ai pensé faire venir un expert mondialement. À Cam? Oui, pour qu'il nous donne son opinion. Parce que vous pensez que les touristes en ont assez des pays tiers. Excusez-moi! Je représente le cabinet architecturalisé en balistique Gunta. Je suis accompagnée de l'illustre Fagaga! Ah. Bonjour, nous sommes les représentants de la ville de... Ah, Maston! Mais il parle pas du tout, là. C'est d'accord. Je lui parle à l'oreille, il me répond et je lui dis ce qu'il m'a dit. Ah, voilà, donc je n'ai pas envie de vous dire, nous, nous sommes les représentants de la ville de Saint-Malo, nous sommes à la recherche de personnes... Ah, Maston! Une solution pour faire venir plus de monde et augmenter nos recettes touristiques. L'objectif... Ah, son... Bon, en gros, on veut faire rentrer le fric dans les caisses. Ah, bon, très délicat. Merci beaucoup. Bon, ouais, c'est pas vrai, peut-être. Ah, ma sauvée. Commence à me courir avec ses traditions, elle. Qu'est-ce que tu viens de dire, là? Le maestro réfléchit. Le maestro, c'est quel genre de maestro? J'ai fait la palomère, vous pensez bien. Hein. C'est bien ce qui me fait peur. C'est moi ou il est bizarre, ce type?
ça finit quand? Il marche toujours autant, là, quand il réfléchit. Mais le maître est toujours très concentré. Très impressionnant, d'ailleurs, ce travail, n'est-ce pas? Moi, je vous avoue qu'il me fait assez peur. Oui, je sais pas si c'était une bonne idée de faire venir ce genre de type, là. Bon, Kartoffel, merci bien pour la visite, mais nous, là, on va pas pouvoir rester. Kartoffel! Voilà, il vient de se retourner, il se met à parler. Ça devient de plus en plus inquiétant, non? Un instant! Y'a marre de comprendre ce qui se passe là! On arrive à réfléchir! Bah merci, on avait saisi hein! Et vous voulez pas leur parler à nouveau, vous? Qui, moi? Apparemment, il vous a répondu, c'est bon signe! Ouais, en tout cas, c'est un signe, hein. C'est déjà ça! Regarde! Le maître a trouvé! Oh, je sens que ça va être lourd! Qui vient de nous donner sa solution. Quelqu'un a compris quelque chose? Je peux traduire si vous voulez. Bah oui, on veut bien, oui. Le maître a dit rajeunir et remettre plage avec accès parking pour voiture. Hein? Son idée, c'est de faire une plage. C'est bien ça. Mais complètement abruti, ce maître, là. C'est faire le quart de la gare, quand même. Ah, un instant, je me dis. Ouais, voilà que ça recommence! Ah, il y a un moment, mon amour! Écoutez, merci pour votre aide! Bah, moi, personnellement, moi, je suis pas bien sûr d'avoir compris ce qui vient de se passer! Oh, mais qu'est-ce qu'on va faire? Ah, bah alors là, je sais pas trop, là. Oh, je connais très bien quelqu'un. Oh, non, ah non, non, hein. C'est pour nous ramener à notre taré, là, merci bien. Si on veut faire des affaires, il faut être conseillé par des hommes d'affaires. Oui, tout simplement, des gens dont le métier est de faire de l'argent. Ouais, on va ramener des brouettes entières de pistons. Oh, bon, ici, la ramener. Et si on gère les contacts, vous avez des pistons. Bah, je soumets l'idée, hein, c'est déjà ça. Alors, moi j'ai bien quelqu'un en tête, mais... Mais quoi? Il est de dinar. Alors... Non, 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 non. Voilà. Où est-ce qu'il se cache, les bouseux, là, hein? Ah, très drôle, patron. Quelle répartie, quelle apprentie. Oh, ça répond pas à ma question. Bon, dois-je vous rappeler que mon temps est précieux? Time is money, Tommy States. Alors, pas le temps de s'endormir, hein, sinon le business est pas sonné. Absolument. Difficile de ne pas monter dans votre sens, papa. T'as S'ils sont pas là dans 5 minutes, t'as dit que je repars. Bouge pas toute la journée. Pendant ce temps-là, ils vont des affaires et continuent de tourner. J'appelle. Allô? Amic! Oh, mais quelle bonne surprise! Ah, mais là, mais tu me déranges pas, là. Là, je suis dans un village vacances, en bord de mer. Ouais, en charge d'un bon investissement. Saint-Marcel, Saint-Michel, je sais plus. Vous allez rire, mais je m'aperçois que j'ai pas leur numéro. Miami! Non, mais bien sûr, je connais, attends. Tu me prends pour qui? Non, bah ici, c'est pareil. Soleil incandescent, mer turquoise, l'eau est à 34 degrés. Un vrai petit paradis. Saint-Maclou. Ouais! C'est le nom du bled dans lequel je me trouve. Ouais. Mais attends, je vais te dire un truc. Hein. Ici, le tourisme, c'est la préhistoire. Mais une fois que je serai passé, ça va devenir Hollywood. Patron, du coup, j'ai quand même pas leur numéro. Qu'est-ce qu'on fait? On y va ou on... Mais c'est marrant, mais c'est pareil ici! Mais gros port de plaisance, grosse bagnole, que du beau monde, hein, vraiment, hein! Patron, les 5 minutes sont passées, du coup, on y va? Ah, mais carrément! Ah, mais carrément! Mais alors, tu me fonnes quand tu veux, hein! Eh oui, mais quand tu veux, mais pour un golf! Après, un golf ici, ça m'énerve, un golf plus sur mer, je te raconte pas! Excusez-nous, notre rendez-vous a duré un petit peu plus longtemps prévu, nous sommes un peu en retard! Bon, Mitch, le frère HLS, les affaires reprennent! Je m'appelle, on peut attendre quelques secondes. Patron, il y a un débouseux qui me dit que vous pouvez terminer votre... Mitch, va falloir que je raccroche, là. J'ai du mal à entendre... Bon, Mitch, tu me lâches maintenant, allez, tant que personne t'a travaillé. Ah, je vous jure, difficile de s'en débarrasser. Vous savez ce que c'est, hein, dans le monde des affaires, faut savoir ce qu'on doit faire. Hein. Je rêve que vous avez été débouseux. Comment? Hein?
instant, vous lui avez dit que l'épouseur pourrait vous laisser finir votre conversation téléphonique. Oh, vous êtes sûr? Il me semble bien, oui. À moi aussi. Pour tout dire, vous avez dit vous eux, vous. Mais pas tout à l'heure, c'est vous. Mais rien du tout. Enfin, voyons. Est-ce que je vous ai dit qu'il fallait traiter les gens de vous eux? Je ne crois pas. D'ailleurs, je n'aime pas beaucoup ce genre d'insinuation. Alors je vous préviens, vous êtes déjà sur la corde raide. Hein. Alors ne me cherchez pas trop. Mais pas trop tout à l'heure. Mais je n'ai rien dit du tout. J'étais au téléphone. Vous êtes témoin. J'étais au téléphone. Est-ce que j'ai employé un qualificatif pareil pendant que j'étais au téléphone? Je ne crois pas. Alors il va falloir vous calmer. Sinon ça va très 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 mal se passer pour vous. Mesdames et messieurs, je suis navré que vous ayez dû assister à cette malheureuse séance de recadrage, mais voyez-vous, je ne supporte pas le mensonge. D'accord. Bon, si on vous a fait venir ici... N'en dites pas plus. J'ai parfaitement saisi vos attentes. C'est qu'on n'a encore rien dit, là. Alors, vous savez, Saint-Malo est une... Saint-Quoi? Saint-Malo, en fait, pas trop. Non, mais écoutez, vous êtes suffisamment illustré pour aujourd'hui. Alors maintenant, vous la mettez en veilleuse, hein, et vous tâchez d'apprendre en regardant les adultes travailler. D'accord? Merci. Saint-Malo, c'est ici. C'est notre ville. C'est là où nous nous trouvons. Donc nous, on voudrait relancer le commerce pour faire venir des touristes. Excusez-moi de vous apostropher de la sorte. Êtes-vous vraiment sûr d'être un investisseur? Non mais oui, mais bien sûr, Saint-Malo, non mais vous avez marché, Saint-Malo, mais qui ne connaît pas Saint-Malo, hein? C'est une ville chargée d'histoire, là, que pleine de guerres. Je dois franchement vous m'inquiéter. Non, mais je conçois qu'on approche peut vous paraître un peu déconcertant, mais en fait, elle me permet de tester, votre attachement aux idées, hein, parce que je vous connais, hein. Dans le commerce, on n'est pas là pour faire les sentiments. Hein. Alors il va falloir vous préparer et bousculer. Surtout, il faut montrer que vous en voulez. Qu'est-ce que ça veut dire, hein? Voilà. Mais ça, c'est une bonne question. Ça, c'est la bonne attitude. J'aime voir les gens motivés qui n'ont pas peur de sortir les sentiers battus. Alors en fait, ça veut dire que... Dites, c'est à vous ou c'est à moi qu'on a fait appel? À vous, patron. Alors je ne veux plus vous entendre pendant mes échanges avec ces messieurs-dames de la ville de Saint-Calo. Mais qu'est-ce que vous proposez? Mais bravo, mais j'aime cette envie, cette volonté d'entreprendre. Et donc, vous voulez faire de Saint-Mureau une ville incontournable, la pierre angulaire du commerce de la région. Mais il faut voir les choses en grand. En très grand même, hein. Et on peut savoir ce qui serait si grand un petit Saint-Malo. Bah vous voulez faire venir des clients? Des touristes? Oh, je comprends pas sur les mots. Un touriste, un client, c'est un touriste en short. Ou un short, un touriste, c'est un client en short. Hein? Il est là pour acheter, consommer, manger, boire, dormir, enfin autant d'activités qui vont devenir très, mais alors très, très, très lucratives pour l'Oserie, hein. Et votre idée, là, en gros, là, ça peut être très clair, c'est quoi? Pour attirer les consommateurs, il faut être attractif. Faites que du jus. Faisons de Saint-Merlo un parc d'attractions. C'est Saint-Merlo aussi. C'est formidable, patron. Merci. Un parc d'attractions comme Disneyland. Mais réfléchissez un petit peu. La configuration de la ville s'y prête parfaitement. On peut faire des courses d'auto-tamponneuses dans les rues. On peut faire descendre des toboggans, des remparts. On peut faire des stands de crème. Installer une grande roue, faire des manèges. Que sais-je encore? Vous êtes pas bien, vous, hein? Élargissez vos horizons. Faut voir les choses en grand et changer de perspective. Qu'est-ce qu'il peut? Le divertissement! Qu'est-ce que vous faites de Saint-Malo, de son patrimoine, de son architecture, de son histoire? Mais je vous l'ai dit! Dans le commerce, on n'est pas là pour faire des sentiments. On est là pour faire ce qui marche! Et ce qui marche, c'est pas la culture, les vieux gardins, là! Ce qui marche, c'est l'amusement! Il doit être rapide, facile, efficace! Vous voulez transformer la cité corsaire en une immense aire de jeu? Mais on pourra toujours exploiter une figure ou deux du passé, là! Oh, les pirates, par exemple! Les pirates! Ça plaît énormément, ça, les pirates. J'ai déjà des idées. On pourrait, par exemple, faire un spectacle pyrotechnique. Un château brillant va se retourner dans sa tombe, hein. Un château brillant. Mais si vous voulez, mais pourquoi pas? Mais faut pas se mettre de limite. Et bon, vous voyez ça comment? Plutôt une attraction nocturne, comment? Vous parlez d'un château brillant. Moi, je dis pourquoi pas. Mais si on veut le voir, bon sens, hein. Il ne peut briller que la nuit. Pour le château, je pense que ce serait
Est-ce qu'on vous a demandé votre avis? Non, mais il s'agit de l'auteur. Ah, la hauteur. J'imagine qu'il doit être suffisamment imposant pour qu'on puisse le voir de loin. Nous parlons de l'écrivain. Les mémoires d'outre-tombe, ça vous parle? Mais excellent! Mais alors, on peut tout à fait plancher sur un projet de train fantôme. Hein. Les histoires d'outre-tombe plaisent énormément. Hein. Vous êtes désespéré. Bon, je vous propose un projet à la hauteur de votre ambition. Vous voulez faire du commerce, engranger des recettes, faire venir des touristes et faire en sorte que Saint-Bruno soit populaire. Je vous propose une solution, mais non, si vous n'en voulez pas... On peut pas tout sacrifier sur l'hôtel du commerce. Mais bien sûr que si, on construira des hôtels. Patron, je pense que c'est... Quoi encore? Ouais, mais je crois qu'on va pas donner suite. Hein. Évidemment, évidemment, avec des suites. Mais pas que. Avec des chambres plus standards, plus communes, si vous voulez. Parce qu'il faut de la capacité d'accueil pour tout le monde. Hein. Mais vous voyez pas qu'on discute. Cessez de nous importuner en permanence, c'est franchement pénible. Je pense qu'on va s'arrêter là plus aujourd'hui, ça fait beaucoup d'éléments sur lesquels on peut réfléchir. Ah, bien sûr, je comprends. Ça fait beaucoup d'un seul coup, hein. Je vous assure, là c'est le pacte à la serrure. Alors merci de m'avoir reçu et surtout, n'hésitez pas à me rappeler le plus rapidement possible. Hein. Oui, machine, vous venez, oui? Oui, patron. Regardez leur tête. Ils sont mélusés, n'en reviennent pas. Je vais me faire un de ces frics! Bon, je veux une réponse claire et nette. Qui a contacté ce crétin? Bon, plutôt que de chercher des solutions pour transformer, le mieux serait de faire avec nos atouts. Bah, c'est vrai ça! Pas besoin de chercher une gueule à 14h. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a à c'est l'autre ville? C'est vraiment pas. C'est des petits poissons. Qu'est-ce que vous dites? Je sais ce que je dis, avec Francis, on est cuisé un bon paquet. Je voulais que Saint-Malo n'a pas enregistré, croyez-moi. Hein. Est-ce qu'on peut faire des sujets un peu plus sérieux si c'est pas trop vous demander? La publicité! C'est ça qui nous faut! C'est-à-dire? Pour relancer le commerce, il faut que les gens entendent parler de nous en permanence. Alors, il faut faire de la communication pour vanter les attraits et les mérites de la ville. Bon, admettons, mais qu'est-ce que l'on va bien pouvoir mettre en avant? Qu'est-ce qui a permis le développement d'un commerce florissant par le passé? Bah, le commerce maritime. La Compagnie des Indes Orientales. La quoi? La Compagnie des Indes Orientales, implantée en Asie. Et cela a permis de développer aussi le trafic de la soie et des épices. Enfin bon, eh oh, ça date pas de la dernière actualité, là, votre truc. Là. Bah certes, mais on peut quand même s'en inspirer. Alors, je me permets de rappeler au fil de l'histoire que vous êtes que la Compagnie des Indes Orientales a dû faire des efforts. Après presque un siècle d'existence, c'est quand même pas rien. Ben moi, je vois d'ici le tableau. Hein. Venez découvrir Saint-Malo, ses soirées orientales, ses épices à portée d'Asie. Il y a des liqueurs aussi, peut-être. Vous faudrez faire des recherches. En tout cas, Saint-Malo a connu un épisode singulier dans la guerre commerciale du café. À Rome? On va faire comme si on n'avait rien entendu. En 1708, deux frégates ont quitté le port de Saint-Malo pour se rendre vers le Yémen, qui était à l'époque le seul producteur de café au monde. Ah, Dieu, vous en savez des choses. Le but de cette opération était de mettre fin au monopole détenu par les Néerlandais sur cet or noir. En 1700, le Yémen produisait 100% de la consommation mondiale. Un siècle plus tard, cela n'a représenté plus que 6%. À cause des deux bateaux malouins? Pas seulement. Le pays a été largement pillé. Ah bah bravo! Ah, super, génial! Nous tentions d'être à l'origine de la faillite d'un pays tout entier. Ah, l'idée, ce serait plutôt de renouer avec la tradition et de développer une spécialité de café propre. À Saint-Malo. Ben, pourquoi pas? Mais est-ce que ce sera suffisant pour faire venir des touristes en masse? Ben, pour le savoir, il faut lancer une campagne de communication. On pourrait toujours faire appel à une agence de publicité pour le savoir. J'ai entendu publicité! Je suis Jack Seglagla, publicitaire. Plus exactement, agitateur de concept, musculeur d'une réussite, pourfendeur. Il va d'avancer. Ah, ben, bonsoir, bonjour, nous sommes les représentants.
habitants de Saint-Malo. Permettez-moi de vous dire que c'est inexact. Et pourquoi donc Vous ne pouvez pas représenter Saint-Malo. Vous représentez la ville de Saint-Malo, New York. Ça a quelque chose près, c'est la même chose. Navré de vous contredire, mais les mots ont un sens. Oh, ici, entre nous, c'est pas très important. L'ordre. Ne faut pas négliger les subtilités du langage. Évitons de prendre un mot pour un autre. Les concepts qu'il renferme emportent une compréhension qui leur est propre. Moi, j'ai rien compris, là. Comme d'habitude, on veut nous savoir ce que vous avez à nous proposer. Segla-Gla Advertising & Co. est fier de vous présenter le Valentino. Le quoi? Moi, après avoir couru mon semi-marathon quotidien sur les remparts, fait la barre sur la tour solidor et surfé sur les vagues de la paix au soleil levant, j'ai besoin de me ressourcer. Et pour ça, j'ai un truc. Le Valentino. Subtile alliance des arômes du matériel yéménite avec la puissance ionée du varec de nos belles côtes marines. Le Valentino m'apporte tout de ce bien-être au quotidien. Valentino, le café marin qui me va bien. Ce n'est qu'un concept! Oh, c'est un café salé? Oh, c'est plus subtil que cela! Ah ben, un café arrosé de varech, ça reste un café salé, hein? Pas tout à fait! Si vous avez bien noté, il y a une référence au cappuccino et à cette onctueuse mousse de lait que l'on ajoute parfois au café. Ici, ce sera de la mousse de varech! Et puis, il y a tout le message positif que le consommateur attend: le côté sportif, santé, bien-être, revitalisant, la mention discrète mais réelle. Passé corsaire de la ville et le recours à un produit de consommation courante qui rassure la ménagère de plus de 50 ans. Je vous assure que cette campagne atteindra sa cible. Mais c'est bon ça au moins le varouchouette. Valentino, c'est un concept. Il faut maintenant inventer le produit. Ah parce que là c'est la pub pour un produit qui n'existe pas. Moi vous savez je fais ce qu'on dit là. Nous sommes sur le concept de concept. Mais j'ai l'impression que cela ne vous est pas très familier. Bah, moi, j'ai toujours rien compris, hein. Mais je commence à avoir soif. Mais vous en avez d'autres, là, des produits conceptuels comme ça? Et puis, ça nous avance à quoi de faire de la publicité si nous n'avons pas de produits à vendre? Je crains de m'être pas fait comprendre. Nous ne parlons ici que de concept. D'accord, mais est-ce qu'il y aurait quelque chose de plus... Plus ou moins. Ah, mais je vois ce que vous voulez dire! Bah, vous êtes fortiche, hein? Parce que moi, j'ai aucune idée de ce que je veux dire. C'est une question de concept, vous comprenez bien? Bah, moi, je commence à avoir le crâne d'un coup, là! Ah, mais ça tombe bien! On a ce qu'il vous faut! Maux de vent, maux de tête, corps au pied, vergétures, coliques néphrétiques, diarrhée aiguë, mycose, fatigue passagère, le mal minote, apaisé sous la journée à temps, petit dégoût. Enchaîne, trajet, pommade, éclair, le mal minote existe. Aussi, sous forme de suppositoire intéressant. Pratique, efficace, malinox, le dupe de santé. Attention, ne convient pas aux enfants de moins de 6 ans pesant plus de 782 kg. Si les symptômes persistent, n'allez pas voir votre médecin. Reprenez donc une dose de malinox. Je vais me la tête. Et la contre-indication avec la consommation de boissons alcoolisées? Là, vous allez encore nous dire que c'est un concept. Exactement. Vous avez parfaitement saisi. Et ça va pas nous ramener des touristes devant des concepts, comme vous dites. Je suis désolée de vous le dire comme ça, mais un produit comme ça ne sera jamais mis sur le marché. Hein. Oui, encore heureux. Pour qu'il n'y ait pas de malentendu, je me permets de vous dire, une fois encore, que nous ne parlons que de concepts. Les produits que nous parlons tous ensemble en ce moment restent à clé. Enfin bon, ouais, moi je comprends pas, hein. Même si on reste au niveau de nos concepts, comment on peut séduire une nouvelle clientèle en lui vantant les mérites du Maloxy? Mamimax. Oh, c'est pareil, non? Pas exactement, vous savez, les mots ont un sens. Oui, bon, ça va, nous avons compris le concept en termes d'utilisation. Et vous êtes manifestement le seul à comprendre. Je comprends que la démarche que vous propose, Segla-Gla Advertising & Co., peut vous troubler.
mais je vous assure que c'est une méthode qui a fait ses preuves. Tenez, voici notre dernière proposition. Situé dans le nord-est de la Bretagne, sur le littoral de la Manche et sur la rive droite de l'estuaire de la Rance, Saint-Malo, fière cité corsaire, vous accueille toute l'année sur ses plages, dans ses hôtels, ses restaurants, pour des séjours en famille ou entre amis. Venez à Saint-Malo, parce que c'est beau. Bien sûr, il faudra faire venir les blocs de glace par camion.
s'appelait Ryu Michelou. C'est pas bien du tout. On pourrait pas avoir un minimum d'exigence là, sur le choix des candidats, ou c'est trop demandé là. Je m'appelle Michel, et je me suis permis de vous souhaiter la bienvenue à Saint-Malo en langue provençale. Bah moi, pour le coup, je suis vraiment pas sûr de comprendre. Eh ben, je vous rassure, pour une fois, vous êtes pas le seul. Ah, mais je peux aussi vous parler en patois vendéen, si vous voulez. Non, le mieux, ça serait de nous dire ce que vous faites là, hein. Lusu vienu en Saint-Malo, Pérou, présentez-vous. En français, on va pas en français, sinon on va jamais y arriver, hein. Ouais, c'est très chantant comme langue, je trouve. Mais on s'en fout de ça. Je suis musicologue et linguiste, et je tente d'allier les traditions et modernité au travers de spectacles familiaux et fédérateurs autour de l'identité de nos langues et musiques régionales. Je mets en avant la culture locale par des moyens ludiques. Qu'est-ce que vous faites en fait exactement? Moi, perso, je suis plutôt branché musique. Oui, alors un concert, bonne idée, mais c'est pas très original. Mais vous avez un genre ou un registre en particulier? Eh bien, je compte les merveilleuses histoires oubliées de nos campagnes avec un accompagnement musical de ma composition ancrée dans le terroir. Moi, si tu veux, pour moi, la musique, c'est la meilleure façon de parler à tous sans avoir la barrière du langage. Si tu veux, c'est comme tu dirais que c'est un langage, mais qui est universel, quoi. Qui c'est qui nous a ramené ce Dudus? Ah, mais attends, un peu qui raconte, au moins. L'étio, une fois, elle accompagne des provençaux. Est-ce que c'est vraiment obligé de le faire en Provence? C'est ça qui donne le côté terroir. Ouais, ouais. Nous, on vient en Bretagne, sur une île côtière. Alors, les comptes, là, de pamphules provençaux. Mais franchement, ça va intéresser personne. Non, mais je peux parfaitement m'adapter. Vous inquiétez pas, je peux vous le faire en dialecte alsacien, si vous préférez. Pour être vraiment raccord, il faudrait plutôt parler breton. Ah, mais si ce n'est pas... Alors, quête, quête, carate, 45... On va arrêter de dire, là, hein, c'est beaucoup trop long. Et puis ça n'a aucun rapport avec notre sujet. Ah, oh, c'est dommage. Après, j'avais une partie musicale vraiment originale. Et c'était un succès à tous les coups. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, je fabrique mes instruments moi-même pour rejouer les vieux airs d'antan. Oui, alors encore une fois, c'est pas très original tout ça. Ah, mais c'est que je les sculpte dans des matériaux plutôt inhabituels. Moi, je sais pas ce que j'aime, mais je commence à avoir envie de dormir. J'utilise des fruits et des légumes. Tenez! Dernièrement, j'ai fabriqué une flûte avec une carotte. Oh, oh ben ça, c'est idéal pour relancer la production maraîchère. Ouais, je peux parfaitement m'adapter au terroir local. Tenez, qu'est-ce que vous avez comme légumes dans le coin? Ah bah, dans la région, ça reste surtout du chou-fleur. Hein. Mais en fonction des saisons, vous pouvez avoir des artichauts aussi. Ouais, ah, c'est sûr que comme ça, c'est pas évident. Hein, mais je peux toujours utiliser les feuilles d'artichaut comme médiateur pour une guitare, mais ce sera pas forcément spectaculaire. Fini! Excusez-moi, je crois que je m'étais assoupi, moi. Ah! Eh bien, je peux peut-être vous faire une démonstration de mes talents? Maestro. 3, 4. Se poser un peu et profiter d'un petit moment de convivialité.
autour d'un verre. Pour vous faire soigner, vous, hein. De quoi donc? De vos maladies de soif. Un camarade, on va pas en faire toute une histoire, quoi. L'histoire? Mais c'est peut-être ça la solution? Bah oui, forcément, celle de notre ville. Et vous voulez faire comment? Monsieur le maire, la ville de Saint-Malo est-elle en faillite? Des rumeurs courent selon lesquelles la banqueroute serait inéluctable. Qu'avez-vous à dire à ce sujet? Pardonnez-nous, mais qui êtes-vous donc? Je suis journaliste pour C France News FM TV Info, mais aussi pour Malouin Pays et pour le Petit Blues. Les Malouins s'interrogent, qu'avez-vous à leur dire? Ce vous a pas sollicité. Je fais du journalisme d'investigation. Pourquoi les questions d'habits? Y a-t-il des comptes bancaires cachés? De la corruption avec les producteurs d'huîtres de Cancale? Attendez, ce sont de fausses déclarations, là, c'est de la diffamation. Il se murmure que vous seriez sur le point de vendre la ville pour en faire un parc d'attractions. Est-ce exact? Il n'en a jamais été question! L'insécurité grimpe en flèche et vous auriez l'intention de lâcher des chiens sauvages dans les rues de la ville. Pouvez-vous en dire plus sur ces mesures? Mais là, c'est absolument n'importe quoi, comme dire. Monsieur le maire, que répondez-vous aux accusations en vertu desquelles vous refuseriez d'apporter votre aide aux producteurs de crackers? Alors ça c'est un sujet assez sensible, même au sein de ma majorité, là. Compassion, que voulez-vous faire ici? Monsieur le maire, que répondez-vous à ceux qui s'inquiètent des visées hégémoniques de votre ville sur les îles Malouines? Ces arbres? Le Grand B? Non, les îles Malouines au large des côtes argentines. Parce qu'il y a des îles de chez nous en Argentine. Vraiment arrêter la picole, vous, hein? Alors commencer la lecture, ce serait vraiment pas mal. Vous confirmez donc votre intention de vous mêler à la lutte entre la Grande-Bretagne et l'Argentine pour les revendiquer? Mais attendez, quel est le rapport avec votre volonté de donner un petit coup de fouet au commerce de la ville de Saint-Malo? Je sais pas, moi. Je sais juste que les premiers colons étaient malouins, d'où le nom donné à ces îles. Ben, c'est ce que je disais. Ces îles sont à nous, on a été dépossédés de nos biens. Vos enfants, calmez-vous. Non, mais nous calmez, on veut voir les vacances. Des îles malouines en Argentine, si ça ne permet pas qu'on lance le commerce. Qu'est-ce que vous racontez encore? Bah, puisque manifestement on n'arrive pas à développer ce que nous avons ici, allons développer une nouvelle terre! Bah, c'est malade quoi? Attendez, c'est de nouveaux marchés qu'il nous faut là, c'est pas les îles machin que c'est l'Ochlac là! Ouais, plus exactement, elles se trouvent dans l'océan Atlantique Sud à 14 000 km d'ici, hein! Mais autant dire, c'est pas la porte à côté, hein! Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on trouve? On y vit surtout de la pêche et de l'agriculture, mais il paraîtrait que l'archipel regorgerait également de matières premières encore inexploitées. Et quelles sont ces matières premières? Du pétrole! Les dernières études sismiques rendent crédible de l'hypothèse selon laquelle cela pourrait devenir le troisième producteur mondial! Vous êtes sûr de vous? Affirmatif! Alors qu'est-ce que je disais? Mais alors! Vous allez lever une armée pour aller reconquérir cette ducalité perdue au milieu de l'océan! Nous n'allons pas rentrer en guerre, nous ne sommes pas en état indépendant! Saint-Malo, qui fut une république indépendante de 1590 à 1594, cherche-t-elle à renouer avec son glorieux passé? Envisagez-vous de faire sécession avec la république française? Ben moi je dis un signe! Un signe de quoi? Un signe qu'il faut lutter pour notre indépendance et partir à la conquête de nouvelles terres! Mais c'est pas bien, c'est du délire! À l'époque, la devise de la ville de Saint-Malo était ni français ni breton, malouin suit. Eh bien, moi, je proclame ici même la devise de la nouvelle République de Saint-Malo qui est malouin d'abord, breton ensuite, un français sur le reste. Alors là, on pourra dire que tout, mais absolument tout est...
spectacle drôle de malouin. Merci à vous. Allez, allez. Elle a produit aussi le stage voilà, de toutes ces personnes, voilà, pendant parfois un peu plus longtemps que prévu, parce que le spectacle, on aurait dû faire l'année dernière. Voilà, on a fait un stage, on a fait beaucoup d'heures de répétition voilà, pour aboutir à ce résultat. La mairie de Saint-Malo aussi, c'est ce qui nous permet aussi d'avoir un tarif très abordable. Voilà, merci beaucoup à la mairie de Saint-Malo, notamment le service communication, le service culturel. Voilà. Saint-Malo sur scène qui, bah, depuis 20 ans, produit mes spectacles. Depuis 17 ans, ici, au Théâtre au Château-Orient, tous les étés. On n'avait pas... On a, voilà, ça s'appelle Saint-Malo sur scène, mais on n'œuvre pas qu'à Saint-Malo. Voilà, c'est eux aussi qui produisent mon école de théâtre à Paris. Plus d'autres spectacles voilà, qu'on a pu avoir les années prochaines, les années passées. Enfin bon, voilà, un tonnerre d'applaudissements. Ils sont 6 membres. Je les embête bien l'été et l'hiver aussi. Voilà, un tonnerre d'applaudissements. Allez, c'est... Vous avez le droit d'en parler. Qui viennent vérifier.